Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un tarot, donc c'est un tarot espagnol, c'est une édition spéciale pour Galles. Donc je ne sais pas trop ce que Galles est exactement en Espagne. J'imagine que ça doit être un magazine ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que c'est un tarot promotionnel. Je n'en ai absolument aucune idée, j'ai regardé un petit peu sur internet mais j'ai rien trouvé à ce sujet. C'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'informations à son sujet. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu qu'on a du mal à trouver, qui n'est plus édité. C'est un jeu qui a été édité il y a déjà un bon moment. Je crois que il y a un copyright quelque part. Non, mais j'avais vu sur internet l'information, je crois que c'était dans les années 80, annoncé ici. 1968, donc je me trompe, c'est même pas les années 80, c'est encore plus vieux que ça. Donc on a les significations des cartes ici sous forme de tableau, c'est écrit en espagnol, et on a comment tirer les cartes ici, méthode de tirage, voilà, on a deux petites cartes qui donnent des indications. Et ici on a le jeu, donc vous voyez, ressemble fortement à un tarot de Marseille, c'est écrit en espagnol. On a en haut et en bas, la correspondance pour les lettres hébraïques. Les couleurs sont d'une manière générale assez ocre, ocre et bleu. On a beaucoup de orangé, de jaune et de bleu, comme vous pouvez le constater. Bon, c'est pas, ce jeu n'a rien de spécial à part les couleurs, effectivement. Mais je voulais quand même vous le présenter puisque c'est un jeu qu'on trouve très difficilement. Et les couleurs donc justement sont différentes des autres jeux, des autres tarots de Marseille qu'on peut trouver. Donc je trouvais ça intéressant quand même de le présenter pour les personnes qui s'intéressent particulièrement au tarot de Marseille et qui aiment les éditions un petit peu rares, un petit peu différentes. Je pense que ça peut être utile d'avoir un aperçu de la totalité des cartes. Le dos est très sympa, moi j'aime beaucoup. Donc là on a encore une fois Galès, je sais pas comment on dit, qui est écrit. Et je ne sais pas à quoi correspond ce terme exactement. Donc voilà pour cette petite review rapide de ce jeu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.